Au printemps, il est un petit peu plus tendre qu'en automne. On le mange, voilà, on peut le manger braisé, etc. Et puis dans d'autres préparations cuites. Il est intéressant en fait de le manger cru, enfin d'après moi, le manger cru avec un navet de printemps par exemple. On émince un navet, on peut mettre une huile de noix, puis quelques noix dessus ou du raisin, des raisins secs. Et là, on a une petite salade sympa. Et c'est très rafraîchissant. On peut garder aussi un petit peu le feuillage pour farcir des poissons. Oui, comme de la nette en fait. Comme de la nette, ça c'est pas mal. De la carotte jaune. Historiquement, les carottes étaient blanches ou jaunes. C'est après des croisements et des sélections qu'on en a fait de la orange. Carotte jaune, très sucrée. Plus sucrée en été qu'en hiver, mais bon, là c'est vrai que c'est pas mal pour un début de saison. Ça change un petit peu aussi pour les gens. On est sur des semences assez authentiques, oui, originelles. Originelles, ouais. Donc ça c'est pas mal, pareil, hein, on peut la passer en jardinière quand elle est un peu plus jeune, on peut la passer en râpé, c'est pas mal, c'est assez surprenant en râpé. Autrement, comme quand vous étiez petit dans le jardin, quoi, un coup d'eau et voilà. Ça surprend les consommateurs quand ils voient de la carotte blanche ou jaune? Oui, ça surprend, c'est aussi pour leur montrer qu'il y a de la diversité dans le légume. Hein. C'est comme il n'y a pas qu'une seule tomate, il n'y a pas qu'une seule carotte. Même si on revient sur le fenouil, hein, il n'y a pas qu'un seul fenouil. Il y en a qui sont plus ou moins bulbés, qui sont plus ou moins goûteux et savoureux. Les Italiens, par exemple, le fenouil arrivent à le manger en dessert. Il y a des recettes de fenouil au chocolat.